Bonsoir. Bonsoir, Jérémy Perrin. Bonsoir, Mikaouna. Bonjour, Psycho75FR. Bonsoir, Jonah Gored. Ça sonne pas pareil, hein. J'aime pas. Ça va? Moi, je suis un peu dep. J'ai mal au bide. Je sais pas que c'est pour ça. Quand on a mal au bide, on devient un peu déprimé. Vous êtes venu pour la violence, la vengeance, la vengeance violente des héros de l'univers. C'est un jeu coréen. Un des tout premiers jeux que j'avais repéré en même temps que Zeke Hunt. Je l'avais jamais chopé. C'est le mal du siècle. Je suis fatigué et déprimé. Car le ventre est le cerveau du ventre, c'est ça. Car il y a beaucoup de neurones dans le ventre. C'est un jeu de baston en versus auquel on va jouer. 95. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, eux? Ascend Inc. Pas grand-chose. Je serais bien incapable de prononcer le nom de leur autre jeu. Mais leur autre jeu, on y jouera peut-être. C'est un Doom-like. Et qui a l'air d'avoir un petit style marrant. Je pense qu'on y jouera si j'arrive à le choper. Mais impossible de dire le nom. Eijok Im Kyo-jong. Attendez, comment vous liriez ça, vous? De K-E-O-K-G-E-O-N-G. Ouh là là. Eh oui, ouh là là. Bref. Valorant de Vengeance, on y joue pour les graphes essentiellement. Vous allez voir, ils ont l'air bien. Après, pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai vu aucune vidéo. Ah oui, Google et sa synthèse, peut-être, c'est vrai. J'ai un peu la flemme de le faire. On va d'abord jouer. J'ai amélioré mon éclairage. Regardez. On voit. Ça fait plus de couleurs, n'importe quoi sur mon visage. En vrai, j'ai pas du tout acheté un éclairage pour ça, mais ça fait office de meilleur éclairage du coup. Oh là là, vous parlez coréen, Jérémy Perrin? Vous l'avez plutôt bien dit, en tout cas, je trouve. Je fais moins Predator. Justement, attendez, parce que les fois d'avant, j'étais plus comme ça. C'est-à-dire, voilà. Et en fait, maintenant, je peux même régler. En fait, je me suis acheté une nouvelle lampe de bureau pour pouvoir faire du point de croix. Le soir, avec une lumière blanche. Ah, c'était ironique, d'accord. Je ne comprends pas l'ironie. Je suis un peu déprimé. Ah, encore Mikaouna qui se fait voler ses blagues. Bon, c'est parti. Ascend Inc. Ah, l'éditeur, il a fait aussi plein d'autres trucs. SKC Softland, qu'est-ce qu'ils ont? Oh, j'ai pas tout regardé.
Ils ont édité aussi, donc ils ont édité des trucs genre The Horde et tout ça. Et les gens au crédit, j'ai rien trouvé sur eux. Mais le directeur, il s'appelle quand même Duke Lin, et ça, c'est rigolo. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Tata, à la recherche du banga. Je pourrais régler mon portrait, peut-être, oui, c'est une idée. C'est un peu hypnotique cette animation. Ça s'arrête. On écoute un peu la musique. Je sais que quand on appuie, ça change la musique. J'ai testé en avance. Bon, allez. Oh, ça avait l'air d'être. C'est marrant cette ambiance un peu Amiga pour du coréen. Ça va le son? Alors, j'avais un peu regardé les menus, j'ai vu qu'on pouvait jouer au pad, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah non, ça, c'est les rankings. Il n'y a personne dans les rankings. Ils sont tous nuls les joueurs de ce jeu. Oh, mais elle avait l'air bien la musique. Le son un peu faible, non, je ne sais pas, c'est vous qui devez me dire. Pour rappel, quand je parle, le son descend un petit peu maintenant, normalement. Est-ce que les autres sont d'accord avec Psycho 75FR en termes de volume sonore? Le mix vous semble. Vous, c'est nickel. Bon, bah, Psycho 75FR, déso. On va rester sur ce réglage. Ah non, pas de spoil, pas de spoil. Je cherche les options, parce que j'ai vu que. Bon, bah je reste comme ça, Sico. 75 FR. Voilà. Joystick 1. Il y a une musique par écran de menu, quoi. Généreux. Bonne ambiance, ce menu. Allez. Alors, je crois que le premier c'est pas joué, mais je vais le lancer. Je vous fais mariner un peu. Ah, c'est peut-être leur autre jeu. Allez, on joue. Alors, je prends qui? Bon, moi j'ai déjà mon petit favori, hein. Je cache pas. Enfin, il y a deux favoris quand même.
Un indice, il a des belles dents. L'homme-quien est tentant aussi, mais moi j'aime bien l'homme chauve-souris aussi. Dans. Les deux sont tentants. L'homme-dent ou l'homme-quien? Bon, j'étais plus chaud sur l'homme-dent, moi. Il a un joli gros nez, le blond. Oui, c'est un Français. Allez. Oh, ils sont trop bien, les portraits. Mon perso, il est trop beau. Gros amour du shake screen. À l'époque Body Blow, je pense que c'est plus. Écoutez, j'en avais parlé de ce jeu à Gordon Lexos et je lui avais décrit ça comme une sorte de chaînon manquant entre Body Blow galactique et un jeu de baston japonais. Ben voilà, on est à peu près d'accord. La musique. Je suis pas sûr d'avoir trouvé tous les boutons pour le moment. Le gars dans 1605, j'ai pas vu. Croyez bien, mon bonhomme. On va pouvoir changer de perso à la volée tout le temps. Bon, bah, l'homme qui a. Ouh. C'est un Anubis en fait. Contre une elfette. Elle hurle quand elle tire des lasers. Oh, je peux me transformer en vrai quien. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai cru, hein. J'aime bien, j'ai des tototes qui sont bien dessinés. Avoir le nez collé sur l'écran avec ses shake screens, ça. Oh, regardez, il saigne de l'œil quand il meurt. Le portrait. C'est dur, hein. Je vais peut-être passer en easy après. Parce que je comprends rien au contrôle. En fait, j'ai un bouton de shop et un bouton. Ah non, mais le shop en fait, il fait aussi des coups de poing. C'est moi qui. C'est juste qu'il a la shop facile. Le petit ensemble de l'homme-quien ou de l'elfette. Les deux, hein. Attendez. Vous êtes en banque. Oh, c'est qui, Georges? Georges? J'ai raté un truc. Bonjour, Bambi Fontaine. D'ailleurs. Vous n'avez pas dit bonjour? D'accord, vous n'avez pas dit bonjour, je vois. De toute façon, aujourd'hui, on dit bonsoir. Je prends qui? Lui, il m'intrigue.
Mais comme on a passé en difficulté facile, il n'est pas impossible qu'on aille loin avec lui. Est-ce qu'on a envie d'aller loin avec lui? Bon, pourquoi pas. De l'elfette, sous-tissu sans bretelles. Ah oui, mais peut-être qu'elle sait très bien. C'est une personne qui a peut-être l'habitude de ce genre de vêtements. Hein. Alors, ouais, allez, lui. Oh, on va se battre contre l'Indien. Oh là là. Oh, mon chara-design de fou. Tremblement de terre. Dis donc le oh là oh là oh là là, ça vient pas d'un jeu SNK. Oh là là, il... Oh là là. Et Shakescreen, on dirait un jeu indé de 2021. Ils étaient en avance sur leur époque. Je me fais massacrer. Heureusement qu'on peut changer de perso à chaque round. Les grands poils d'avant-bras. Oui. Je dois être collé. Bah oui, c'est ça l'astuce, je pense. C'est Jotaro, voilà, merci, bien sûr, oui. On va prendre Moustachio. Un roster. Trois femmes. Trois extraterrestres. Quatre hommes. Ouais. Patrick, enfin, c'est une femme, ça? Oui, on l'a vu tout à l'heure, elle. C'est elle qu'on a vue. Ou c'était elle, l'elfette. Moustachio. Ah, eh bien, au revoir, Bambi Fontaine. Repris dans King of Fighters, Jotaro? Oh, ah, il a des pics sur les épaules. Oh, c'est le Zangief. Ah, là, pour le coup, ça... Elle a les cuisses bien musclées, elle. Tout bien musclé, d'ailleurs. C'est une féministe à cheveux bleus, regardez. C'est pour ça qu'elle assume sa musculature. Car sur le... Elle affirme sa virilité. Ah, j'ai battu mon premier ennemi. Oh, c'est Zangief, hein. C'est pour ça qu'il fallait prendre le mec le plus musclé, c'est comme ça qu'on gagne, hein, dans les jeux. Il a un cri gogol quand il se fait toucher. Non, c'est pas une féministe à cheveux bleus, c'est pas le bon bleu. Si j'arrive pas à m'approcher d'elle, je ne pourrai jamais la battre. Elle m'a vaincu avec ses tirs laser. Oui, mais c'est le oh là oh là oh là, il est pas re... C'est pas genre Kim Kapwan peut-être? Non ou non, bah non parce que c'est sur les coudes rapides, non? Non, parce que c'est pas Robert Garcia.
Oh, tremblement de terre. Ça y est, je l'ai coincé. Je vais peut-être pouvoir gagner. Regardez, j'ai la gueule en sang sinon. Pendant que je fais ma stratégie du coup de pied dans la gueule. Oh, non, j'ai perdu. Alors, on n'a pas pris. Ils ont pas de nom. Ah, si, peut-être dans le jeu, mais on n'a pas encore pris le héros. Mais on va prendre le héros en dernier. Oh, il a fière allure, le héros. Ouh là, j'ai des grosses épaules. On dirait un personnage sorti d'une BD de Crumb. Avec des grosses chevilles. Chara design ultra basique pour mon perso, c'est pas mal. Elle est hyper baraque. Ça change, ça fait du bien. Encore un personnage féminin qui assume sa virilité. Et qui la montre. Est-ce qu'elle a des poils sous les bras? C'est encore en tout cas le signe que c'est un jeu d'avant-garde, car il est très progressiste, je trouve. Les shake screens et le progressisme des personnages féminins font de ce jeu un jeu des années 2020. Les cheveux spaghettis aux œufs aussi. Je suinte? Qui suinte? Allez, on prend la dernière. Enfin, quoique non, on n'a pas encore vu l'Indien. Ah maintenant l'elfette, on l'a déjà vu. Mais elle aussi, elle est très musclée. Attends, on l'a déjà vu ou pas? Très musclée des jambes, elle aussi. Hein. C'est une bonne ambiance Égypte, je trouve. Oh, regardez, il y a une porte interdimensionnelle dans la pyramide. Ça tend à prouver que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Oh, regardez, ils se transforment en vrai chien quand ils gagnent. J'aime bien qu'ils restent la gueule ouverte tout le temps avec la langue qui pendouille. Il gueule bien en tout cas, lui. Oh là là, je me fais massacrer. Le quien? Oh, j'avais plus de vie. Le banjo égyptien, oui. Alors, l'Indien. On l'a déjà vu l'Indien en fait, je me suis battu contre lui tout à l'heure. C'est ça. Oh, mais on n'avait pas vu ce niveau avec la sirène. Oh, ah, c'est un animal aquatique. Tout ça explique les poils au bras. Oh,
Oh, je me fais mais démonter la gueule, quoi. Hyper dur ce jeu. Scott Eaton, je ne vois pas qui c'est, Cycle 75FR. Oh, j'ai sorti un coup spécial! J'aime bien la typo réveil métallique du 3-2-1. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en barre, là, comme ça, mais fait en texture métal. Je pense que c'est assez pertinent comme choix. Fallait l'oser en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai pas joué? Bah, j'ai pas joué le héros. Alors, le premier perso qu'on affronte, c'est donc elle quand on est heureux. Je suppose que donc c'est sa femme et qu'il la tabasse. C'est la condition pour qu'il aille devenir le héros de la galaxie, de l'univers, c'est de se débarrasser de sa femme emmerdeuse. Un jeu ultra misogyne. C'est pas de ma faute. C'est ce que raconte. C'est impossible. C'est bien un Français, oui. Bah, il a son nez de Gaulois. Est-ce que... Pourquoi les femmes sont tout le temps des fouetteuses dans les trucs? C'est les femmes qui ont tout le temps des fouets. À part Indiana Jones, je vois pas trop de héros fouetteurs. J'aime bien lui, ses grosses veines. Ah, c'est le niveau de l'extraterrestre dentu. Je crois qu'on l'avait pas encore vu. Ah, monsieur, mais d'accord, mais je veux toujours pas qu'il sait. Il est fort en anatomie, donc. D'accord. Hey, j'ai sorti un coup spécial. Je m'améliore. Oui, Ed Randy, c'est vrai, mais c'est une sorte de Indiana Jones. En fait, le fouet, on l'accorde que aux aventuriers. Et sinon, bon bah, on a Wonder Woman qui a un fouet. Il y a des super-héros qui ont des fouets, hommes, des héros de jeux vidéo. Les fouets ou les cravages, c'est tout le temps les meufs dans les jeux vidéo. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est hyper sexuel, quoi, en fait. C'est tout le temps. C'est le male gaze. Il a vomi. Ah, ce portrait avec cette grosse veine là.
Bon, j'ai fait le tour des persos, alors j'ai pris tout le monde. Ah non, l'Indien, si mais si j'ai déjà joué l'Indien, j'ai déjà dit. Alors on va reprendre Dentu. Pardon, j'ai hyper. La famille Belmont. Bah oui, bien sûr. Ah bah bravo. Heureusement que vous me backseatez intellectuellement. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben autant pour moi. Du coup, Sico 75 FR, c'est 1 heure plus tôt pour vous? Il est quelle heure là chez vous, Sico 75 FR? 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard? 1 heure plus tôt. Oh là. Mon téléphone a vibré. Vous avez peut-être entendu un bruit de. Une sorte de bruit de prout. Un peu mécanique. Ah, Georges, le shop, 14h30, d'accord. Et avant, du coup, c'était 13h pour vous, c'était 15h. C'était 13h, du coup. Non. Oh, je suis nul. Voilà. Et ben comme ça, vous me regardez, vous avez bien fini eu le temps de manger et vous faites ça en pleine digestion. Vous serez plus OP. Bon, en même temps, j'ai fait le tour du jeu là, je ne saurais jamais battre les ennemis, ils sont trop forts. Alors je crois que ça va être un live plus court que d'habitude. Hein. En même temps. Les premiers épisodes duraient 30 minutes. On va regarder l'ordi jouer. Y a pas de raison que je sois pas spectateur de mon propre stream. J'ai comme l'impression aussi, j'ai arrivé à. Zyklon, c'était quelle année? 96? C'était un peu après, je pense. Oh, il a la gueule toute déglinguée. J'ai pas regardé toutes les têtes. Ça redémarre. Avec la musique. Ah, c'était un bug. Oh, on l'avait pas vu ce niveau. Ah, c'est le niveau du héros. Ah si, on l'a vu, si, je me souviens du cerveau. Dans le bocal. C'est un peu une erreur, on a envie que le sol il bouge en perspective, mais c'est pas le cas. Alors que on dirait vraiment une texture déformée. Pas une texture. Vous voyez ce que je veux dire. Les musiques sont cool. Ouais, on est sur une vibe très Amiga. Ah bah, il est généreux en termes de son.
pas lui enlever ça. De toute façon, on va rien lui enlever. C'est une agréable surprise. On sent qu'il y a de l'amour dedans. Bon. C'est fini, hein. Je crois que c'est fini. Eh oui, c'était un live un peu court. Richard Joseph Énergie. Vous voyez ce que je veux dire avec le sol. Bon, tant mieux. The Universe Hero. Issuint. Ah bah oui. C'est vrai qu'on aurait eu envie qu'il y ait un peu de sang. Vu le Universe Hero qui suinte, on se serait dit. C'était bien. Bon bah tant mieux. Moi je suis content d'avoir découvert un jeu coréen. On connaît pas beaucoup les jeux coréens de l'époque. Il y en a pas 36. Il y en a un que j'ai envie de faire avec... qui est un peu ambiance beat'em all avec deux frangins et j'arrive pas à le lancer, je suis deg. Il a des graphismes un peu bizarres. Je sais plus comment il s'appelle, quelque chose genre Twins. Un nom tout simple. Et avec des frères qui se bagarrent. Et des frères un peu filou qui ont l'air d'arnaquer leur monde. Mais pas dans l'esprit Kunio-kun non plus. C'est bien violent de vengeance. C'est bien violent. C'est bien. Issuint. Je relis tout en sens inverse. Bien. Je vous tease, mais je pense qu'on ne pourra jamais y jouer. La seule copie que j'ai trouvée du jeu, il me dit que la disquette est corrompue. Comme si... comme s'il essayait vraiment de le lancer, que c'était pas un problème d'émulateur, mais de ROM. Donc, je crois que... Je vais être déçu si vous n'y arrivez pas. Ouais, j'essaierai de... Je chercherai mieux. Oh, vous savez pas la dernière? En ce moment, je poste, enfin, comme depuis le début, je poste les lives sur YouTube. Et à cause de la musique que vous entendez là maintenant. Bonjour VicB42. Eh ben oui, mais c'est terminé VicB42. C'était un live plus court que d'habitude. Il va falloir regarder le replay. Oui, à cause de la musique, qui n'est pas du tout une musique qui n'a pas du tout de droit d'auteur, vu que c'est une musique de Carl Philipp Emanuel Bach, donc il y a bientôt 2 siècles et demi, 3 siècles, que j'ai repris au synthé et que j'ai retravaillé à ma sauce. Mais il y a des connards dans je sais pas quel pays, une bande de trucs qui dit « c'est à nous ». Et ça fait 2 vidéos que je poste où ils réclament ils réclament pas des droits, mais du coup ça impose, je crois, de mettre des pubs sur YouTube. C'est insupportable. C'est vraiment de la chiotte, les systèmes de bots qui repèrent les droits d'auteur sur YouTube. La version MIDI, c'est vrai que j'ai pris une version MIDI. Mais à la base, pour la retravailler. Donc c'est vrai que j'ai pas refait le MIDI moi-même. Mais impossible de reconnaître le MIDI duquel il s'est tiré, vu comme je l'ai déformé. Enfin bref. Un jour peut-être le monde se rebellera contre YouTube et Twitch. Et les droits d'auteur. D'ici là, je vais vous dire au revoir.